C'est vrai que le CIA 2020 a fermé ses portes un jour plus tôt que prévu et surtout très soudainement. Nous avons eu à peine le temps de saluer nos prestataires, nos partenaires et même nos exposants. Et puis nous avons été tous projetés dans cette période de confinement pendant laquelle les agriculteurs ont joué un rôle primordial, puisque non seulement ils ont assuré notre alimentation, mais en plus, pour suppléer une logistique qui ne fonctionnait plus, ils ont développé des circuits courts, des ventes à la ferme, et parfois même, ils ont créé des plateformes de vente sur Internet. À la fermeture de l'édition 2020, nous avons fait, comme à la fin de chaque salon, un bilan, d'abord en interne avec l'équipe d'organisation, et ensuite avec un maximum de partenaires et d'exposants. Cette fois-ci, nous les avons fait sous forme de visioconférence. Et depuis 3 semaines, 1 mois, nous sommes arrivés à l'étape de la construction de l'édition 2021, avec la réflexion sur les nouveautés, sur les implantations, bref, tout ce qui fait le contenu du salon. On peut dire que l'édition 2021 du salon est déjà lancée pour nous, donc équipe d'organisation, mais aussi pour nos exposants, puisqu'ils peuvent s'inscrire dès aujourd'hui. La crise actuelle aura certainement des impacts sur l'édition 2021 du Salon international de l'agriculture. Pour autant, c'est difficile de dire lesquels, nous avons encore 9 mois devant nous. Ce qui est sûr, c'est que nous travaillons à construire une édition 2021 qui rende véritablement service aux agriculteurs, aux producteurs, aux éleveurs. Une édition qui amène les visiteurs, qui sont aussi des consommateurs, à montrer la solidarité et l'engagement qu'ils ont vis-à-vis des agriculteurs et plus largement vis-à-vis du monde agricole. Et puis vous savez qu'il existe une thématique pour chaque salon, qui donne une sorte de couleur à l'édition. Celle sur laquelle nous travaillons pour 2021 va montrer la fierté que nous avons de notre agriculture et le soutien que nous lui apportons.